Salut les gunners, j'espère que vous allez bien. C'est avec l'immense plaisir que je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec quelques nouveautés. L'avez-vous remarqué? Oui, derrière moi, le tout nouveau studio de la Method Gun. D'ailleurs, Squeezie est venu l'inaugurer. On ne fait pas de magie à la Method Gun? Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter le nouveau studio de la Method Gun. Bravo! Félicitations! C'est très beau! Ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui nous suivent sur Instagram, Snapchat et Facebook. Vous avez pu découvrir Squeezie à plusieurs reprises à la Method Gun. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous rendre sous la description de cette vidéo pour avoir les liens pour nous rejoindre et suivre notre quotidien avec mes chiennes. Laissez-moi vous présenter une personne. Tu vas te préparer toi derrière. Allons-y en charade. Ça commence par un G. Et ça finit par un N. Vous l'avez aperçu sur YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. Je vous le présente. Maintenant, en musique, s'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à Gaëtan. Salut les gunners. Quel accueil en musique en plus. Gaëtan, on est dans les studios de la Method Gun. Tout s'explique alors. Gaëtan est en formation instructeur à la Method Gun depuis 3 mois. C'est ça. Et ce n'est pas fini parce que, à la Method Gun, on ne devient pas instructeur canin en 5 semaines. Et non. Gaëtan, je te propose qu'on leur présente de ce qui va suivre dans quelques instants. Pour sortir de l'ordinaire et revenir à mes débuts, je vais vous présenter Dexie, la chienne qui fait régulièrement son apparition sur cette chaîne sous la coupe du mode... Docteur. J'ai bien envie de vous la présenter sous une autre facette. Même si d'autres vidéos montrant Dexie plus jeune sont déjà disponibles sur ma chaîne, vous aviez remarqué la complicité qui existe entre ma chienne Gun, la maman de Dexie, et moi-même. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je suis en interaction avec Dexie. Je vais interagir en langage... Verbal. En langage... Gestuel. Et aussi en langage... Intuitif. Mais qu'est-ce que c'est le langage intuitif? On vous en dira plus. Tout à l'heure, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vous laisse vous installer confortablement parce que les images arrivent maintenant. Let's go. Let's go, avec l'accent, c'est mieux. Let's go. C'est mieux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va les jouer. Bien oui. Let's go. C'est parti. On va leur montrer que, à part être chien spécialisé, que tu sais aussi jouer avec papa. Mais ça, pour ceux qui suivent les vidéos depuis un bon moment, bah ils savent que tu sais bien jouer depuis très longtemps. Hein? Bah oui. Et oui, ça fait plaisir. Oh oui, je sais que Dexie, elle aime beaucoup jouer. Oui, ok. Bien. Présentation. Ça, c'est le jouet, mon Dexie. Eh oui. Oh oui. Ma. Lâche, oh là là. Mort, lâche, ok. Mort, stop, oh attention, stop, il a dit papa, recule à papa. Ok, mort, lâche. Oui, ok, on recommence. T'es où? Ok papa. Ouais.
Va chercher au pied. Va chercher au pied. Va chercher au pied. Va chercher au pied. Va chercher. Lâche. Maintenant, marche au pied à gauche. Attention. Halt. Reste. On va la montrer aux internautes, Madexi. Qu'est-ce qu'on va leur montrer? L'intention que je vais mettre dans le jeu. Dans ma première vidéo, je l'ai expliqué, je l'ai dit qu'il ne fallait pas sous-estimer l'animal. Je le pense, je le pense pas. Je le pense pas. Mort, lâche. Je le pense là, vraiment. Je vais lui dire. Mort, lâche. Ok. Je le pense encore de nouveau. Mort, lâche. Je le pense plus. Mort, lâche. Je le pense vraiment. Mort, lâche. Oh là là, c'est exceptionnel ça. Je le pense vraiment, je vais lui dire. Je le pense vraiment, je vais lui dire. Mort, lâche. Je le pense vraiment, je mets de l'attention. Mort, lâche. Je le pense vraiment. Cette fois-ci, je ne le pense pas. Mort, lâche. Comme vous pouvez le constater, je ne le repense pas. Mort, lâche. Cette fois-ci, je le pense vraiment. Mort, lâche. Ok, ma Dexi, oh là là, mon bébé. Bah oui, c'est Dexi, c'est Dexi. Je le pense vraiment. Mort, tire, lâche. Ok, papa, attention, je le pense plus. Mort, lâche, je le pense vraiment. Mort, lâche. Ok, très très bien, papa. Je le pense encore. Mort, lâche, je ne le pense plus. Mort, lâche, je le pense vraiment. Mort, lâche, ok papa, sous. Ha ha. Eh ben oui, ça c'est Dexi. Ha ha, Dexi. Oh là 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 là, Dexi, face. Ok, attention. Mort, tire, lâche, sous les pieds. Attention, face, ok. Assis, oh là là, couché. Ok, reste, ok. Va chercher. Bien, une dernière fois pour arrêter mon Dexi. Ah bah oui. Tout a eu fin. Oui mon Dexi. Oui, oui, oui. T'es toujours en train de jouer, hein. Une dernière fois, mon Dexi, après on arrête, d'accord? Une dernière fois, tu vas y chercher. Allez, va chercher. Oh là là là, bravo. Oh, bravo, papa, il a dit c'est fini. Va te promener, file. Je vous ai énoncé en préambule le langage intuitif. Je tenais à vous expliquer plus en détail pour permettre de comprendre de ce qui s'est passé lorsque j'étais en interaction avec Dexi. Vous avez pu voir l'extrême sensibilité invisible, à l'œil nu pour l'humain, mais démonstrative en images. Aussi incroyable que cela puisse nous paraître, on voit qu'elle absorbe l'énergie que j'ai pu dégager dans l'interaction. L'intention que j'ai pu mettre dans l'action. Cette communication peut paraître plutôt controversée et qui manque de véracité pour les plus sceptiques. Pourtant, la vidéo parle d'elle-même. On peut leur proposer des images qui ont déjà été publiées sur ta chaîne il y a quelques temps. Bonne idée. Effectivement, cette communication intuitive, je l'ai déjà réalisée également avec Gun. Eh bien, c'est parti pour l'extrait. Il va se mettre en face. Mort, lâche. Il va se mordre, lâche. Ok. Je le pense pas, mort, lâche, je le pense, mort, lâche. C'est absolument spectaculaire. Ces facultés ne se développent pas toujours facilement ou rapidement. Cela dépend de la personnalité de chacun, de ce qui peut se dégager à l'intérieur de vous, une forme de connexion. Je tenais à préciser, parce que je vois certains d'entre vous essayer de le faire avec leur chien. Cela me fait penser à Aline. Karel et leur chiot, Mason, lorsque j'étais en région parisienne, ils avaient adopté la méthode Gun, ils s'étaient inspirés de mes vidéos, et je dois vous dire que leur témoignage est assez rigolo. Je vous propose de se replonger dans les archives et de revenir quelques années en arrière. Regardons ça. Non, il y a un moment dans une vidéo, je sais plus c'est laquelle, ouais. Et tu dis, faut je le pense. Penser. Je le pense. Ah, il était là, je le pense. Il regarde Mason, il lui dit, Mason, assis.
Il me regarde, il me fait « Mais pourtant, je le pense Qu'est-ce qui se passe ?» Ah, excellent. Bon, c'est dit, non, c'est pas la bonne méthode. Ah, génial. Je sais pas. J'ai l'impression que... On doit pas le penser assez fort. Quand tu regardes une personne, tu parles à la personne, ton chien, il comprend que tu lui parles pas à lui, en fait. Mais pourtant, t'as pas regardé le chien. Mais t'as fait « Je le pense », et hop, il a mordu direct l'objet. Donc en fait, à mon avis, il a un feeling avec toi, ton chien. Vous êtes en osmose. Ouais, mais... Vous êtes en phase. Ouais, voilà, ouais. Vous êtes coulis. Vous êtes wifi. Wifi, mais toi, t'es de la campagne. Je sais pas si c'est wifi là-bas. Hein. Ça dépend. Ça dépend du bas. Ouais. Mais c'est des ondes. Je parlais d'énergie. Mmh. Des ondes que l'animal perçoit. Ok. Mais il a dit Mason assis. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais pourtant je le pense, hein. Mais ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné. Ah, là, et vous m'avez fait rigoler. Ah ben, il m'a tapé un fou rire quand même, j'ai rigolé. Je me suis foutu de lui quand même un peu, parce qu'il était sérieux. Mais ça, assis. Ah, excellent. Alors, montre-nous un petit peu comment tu le penses vraiment. Demande-lui à de s'asseoir. Oui, oui. Mason, assis. Alors gros, assis. Tu penses vraiment? Oh bah oui. Hein? Tu fais assis? Bah oui, tu fais assis. Fais assis, montre-le comment t'es beau. Tu fais assis? Bah oui. Voilà, super gros. Bah oui. Les chiens sont capables de percevoir nos émotions, leurs sens permettent une perception unique. Ils reconnaissent les énergies subtiles présentes dans leur environnement. Ils ont la capacité de joindre leur champ d'énergie à celui des humains et peuvent devenir des fragments de la personnalité de leur propriétaire. Les chiens expriment une extrême loyauté et l'amour inconditionnel. Un dévouement que l'humain reçoit énergiquement et qui peut être une aide sous de nombreux aspects. Il est grand temps pour les humains d'honorer avec gratitude le règne animal, de le traiter avec amour, bonté et respect. La cruauté envers l'un de ces êtres, quel qu'il soit, n'est pas la voie de la maîtrise, et elle doit cesser dans toutes ses expressions malencontreuses. Merci d'avoir...